chercher votre voiture tout de suite, Madame Arvin. Ça ne me dérange pas que Samuel s'occupe de ma voiture. Ah non, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il a l'habitude. Mais je comprends. Samuel ? Oui. Samuel ? Ah oui, je m'en occupe tout de suite, madame. Merci. Barnabé, c'est un très vieil ami. Il a une personnalité un peu chelou, mais c'est vraiment un très bon gars. D'accord. T'es marre, mec. Pardon. Y a des culottes dans des cadres. Vera, Prague, 1993. Svetlana, Saint-Pétersbourg, 1988. Mec, ça veut dire que j'étais même pas né, que le gars déjà, il saquait dans un maximum de meufs. Saqué, saqué. Et... ouais, ça vise le slip en bas, là, le slip blanc. Lisbonne 2007, Pedro, s'il te plaît. En même temps, c'est une qualité, mec. Ça veut dire que le gars, il est ouvert, quoi. Il est, tu vois. C'est une qualité, oui. Hey. Ah, excusez-moi, messieurs, je vous ai fait un petit peu. Oh là là là, restez assis, bougez pas. Tranquille. Bon, alors, tout d'abord, merci d'être venus, les gars. Ben non, non, merci à vous, vraiment, merci. Non. Merci à vous, les gars, d'être venus. Alors voilà le topo. J'organise une grosse soirée pour les 20 ans de ma fille unique, Sophie. Ah, sa fille, elle est unique. Seulement, je voulais que vous sachiez que j'ai une certaine expérience des ravages de la drogue. Donc là-dessus, moi, je me mets à réfléchir deux minutes. Et voilà le concept. Je dis à ma fille, très bien pour ta soirée. Moi, je m'occupe de te trouver de l'herbe, hein, pour toi et tes petits copains. Mais, à une seule condition, tu ne touches à rien d'autre. En plus, tu peux leur faire confiance, hein. Parce que la weed, c'est vraiment top quali, hein. Je valide ce matos à 100%. Eh ben voilà, ma petite Fanny. Si t'as confiance, bah moi, j'ai confiance. Bah, vous avez confiance. On a confiance, ouais. Hein, c'est un cercle vertueux. Et je sais pas pourquoi, mais je les aime bien, tes petits enculés de dealer. Enculés, oh, c'est bah peut-être si, un peu c'est... Ouais. Ah, à l'instant. On y va, je vois. Du coup, si on récapitule un petit peu, j'ai compris qu'il y avait à peu près 150 invités. Excuse-moi, je te coupe. Ouais. C'est de la merde. Ça me gratte, ça fait chier. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est moi qui parlais, en fait. C'est toi que j'ai coupé, ouais. Bah, excuse-moi, je t'ai pas coupé. Voilà. Du coup, je disais, oui, 150 personnes, 1 kilo pour être à l'aise, on sera à peu près dans cette fourchette. Et pourquoi donc qu'on ferait pas un service traiteur de bœufs? Hein? C'est-à-dire, vous seriez là en train de rouler les pétards pour les invités, et puis alors, je vois bien, moi, en tenue de serveur. Mais attention, hein, Chico. Chico. Toi, tu rigoles, je sais pas. Excuse-moi, ma petite Fanny, mais il faudrait que tu te calmes, là. J'ai comme le sentiment que t'es foncedé, non? Ah non, moi, pas du tout. Eh ben, très bonne idée. Je me permets d'ailleurs de rebondir là-dessus, parce que Tim est un très bon cuisinier, donc il pourrait, bon, moyennant un petit supplément financier, cuisiner des petites choses à base de Marie-Jeanne, faire une sorte de buffet, quoi. Comme de la space food, en fait, pour ainsi dire. Space food. Americano. Ouais. Arrête. Mais on s'était dit... Excuse-moi. Ouais. Téléphone. Ah, d'accord. Allez, je t'écoute. Oui, passe-moi le gain, là, pour le... Ouais, je vous avais dit qu'il est un peu... chelou. Ouais. Chelou, ouais. Ah, Charlotte. Ah, oh, tu veux la jouer comme ça, là? J'ai pilé, t'es mort. Ça va, Barnes? Non, Barnes, va pas bien. Ce clown de DJ vient de me planter à une semaine de la soirée. C'est une vraie cata. Putain de fils de Pinocchio. Excusez-moi, je me permets de vous couper parce que j'entends que vous parlez de DJ, de Pinocchio. Il se trouve que nous, on a une amie qui est très mignonne, très cool, qui mixe très très bien. Et je sais qu'elle sera disponible pour la soirée. Et là, le gars hésite. Et finalement, il dit... Bingo.